Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Lightning Returns Final Fantasy XIII. Alors première chose, j'ai recommencé le combat contre le monstre là dont j'ai oublié le nom, parce que j'étais pas très satisfait, j'avais utilisé tous mes objets sauf l'élixir dans mon premier combat où j'ai réussi à le battre. Donc là je l'ai refait, j'ai un peu mieux géré, donc j'ai réussi à économiser un éther et un super éther. Plus une aile de phénix, c'est toujours ça de prix, donc voilà. Je pense que ce sera mieux pour la suite. Et du coup, je crois que dans ma deuxième tentative, je l'ai battu au bout de 7 minutes et quelques. Donc c'est un petit peu mieux, donc je vais vous mettre le lien en haut à gauche de l'écran, là vous pouvez cliquer. Si vous voulez voir ce combat qui ne sera pas commenté, mais j'ai un petit peu mieux géré. Donc, la suite se présente un petit peu mieux. Surtout au niveau des éthers, parce que pour les récupérer, ça peut être un peu fastidieux. Par contre, du coup, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Bah non. En prière, oui, j'ai plus rien. C'est ça. Et en quête secondaire, bah j'ai que celle-là, là. Alors, je pense pas avoir tous les Oméga, non, non. Il doit me manquer quelques robots, surtout. Et les ennemis qui dansent, là. Du coup, bah, je sais pas, je vais me balader, et puis, bah, je vous montrerai ce que je trouve d'intéressant. Ah, et voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je me refasse tous les étages pour vérifier s'il restait pas des spécimens Oméga, donc j'ai bien fait. Donc, on va attaquer ces monstres qui dansent, parce que j'arrive toujours pas à retenir leur nom. Ouh là, il m'attaque direct. Scatané. Aïe, non, pas trop aïe. Tu te calmes. Hop, hop, hop. Aïe, talon. Parfait, d'accord. On s'en fout, on bruine. Hop, on a une bonne résistance physique, on en profite. Il fait quand même super mal, donc on va arrêter de brûler comme un débile. Au moins c'est coup de talon. Tu vas te calmer, gars. Putain, mais tu me saoules, là. Bon, c'est une mauvaise stratégie. Hop. Je pensais que ça allait passer tout seul, mais non. Il est quand même dangereux. Hop, une petite esquive. Hop. Ah non, c'est pas Poison qu'il a perdu, mince. Aïe. Si, il fait super mal quand même. Je suis pas du tout vigilant. Esquive. Ça marche, ok. Hop, lenteur, poison, hop. Allez hop, on s'en fout, on bourrine. Alors attendez. Ah mince. Bon, c'était un combat un peu merdique. J'ai un peu fait n'importe quoi. 3 étoiles, bon, c'est pas grave. Par contre, j'aurais pu me soigner avant de l'achever. Coup de pied niveau 4, orbe d'argent. Eh oui, j'aurais dû me soigner. Rétablissement, voilà. Hop. Comme ça, j'aurais récupéré directement des PE. Ah oui, son loot. Attendez, je vais pas regarder. Gant de Berserk. Ah, on m'avait conseillé ça pour le Nebula. Donc, je ne l'avais pas encore. Ça doit être là-dedans, les gants. Augmente les dégâts des attaques rapprochées. Ah oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup, même. Putain, je trouve ça vraiment à la fin. Non mais, oh, dommage. Bon. Voilà. Nouveau spécimen Oméga. Alors du coup, je sais même pas combien il y a de spécimen Oméga. Et au final, si on les trouve tous ici, bah cette quête, je vais pouvoir la faire. Bon, je continue de parcourir le dédale. Voir si je trouve de nouveaux spécimens Oméga. Allez, c'est parti.
Bon, comme j'ai rien trouvé à faire, j'ai dormi jusqu'à 6 heures chez l'aubergiste. Donc voilà, fin du 13e jour, un retour à l'arche. This is it, Light. There's no more time left. It's the last day of the world. Right. Vanille will be getting ready to perform the Soul Song. She's going to liberate the dead and release them from their suffering and despair. Hey, Light. When Vanille saves the dead, what'll happen to me? Hope? What's going on? What about my soul? Oui, et en ce qui concerne les spécimens Oméga, apparemment j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais faire pour le moment. Je crois qu'il y a trois nouvelles créatures le dernier jour. Mais du coup, bah, je pouvais pas les affronter avant. Donc, je me suis vraiment fait chier sur cette fin de dernière journée. The light of my life, let it be redeemed at last. Jour 14, dernier jour. Ok. Light. Hope. I've come to say goodbye. How did you? It's too late for me now. I had a job. I was God's eyes and ears, made to watch over everything you did. But now the last day is here, and God doesn't need me anymore. I'll just disappear. God just doesn't like leaving loose ends. This was always his plan. Bonavelza, he's going to just cast you aside? It's his way. It's harder than I thought it would be, but he still needs you, and you can help the others. Will you do that for me? Vanille intends to go through with the Soul Song and throw her life away. But she won't be the only one who dies. That ceremony is going to destroy all those souls, yet she has the power to lead them to the new world. Yes. She doesn't know what she is, or what she can do. You have to tell her. I know her. As long as she knows the truth, she'll do the right thing. And then, you'll have a choice to make too. It'll be your only chance to save Sarah. I've got to find her soul if I want to save her. And the truth is, I just can't feel her anymore. It'll be all right. Trust me. She can see you, and she's been watching over you. When you make the right choice, you'll find her again. The right choice? Tough call for someone who can't stop repeating past mistakes. It'll be easy. You just have to imagine what kind of world Sarah would want. What kind of person she wants you to be. Do that, and the answer will be clear. But that's the problem, don't you see? Maybe once I knew her well enough to know what she would want. Something's happened to my soul. I can't see people's hearts anymore, not even my sister's. You don't have to give up. Overcoming your mistakes, that's the key. It doesn't matter how many times you fail, if you succeed in the end. So keep trying, okay? I'm off to a bad start. I didn't make the effort to understand you. I didn't trust you and instead hid everything from you. No, that was the right thing to do. That wasn't the real me. And he was never someone you should have trusted. He was just a pawn in God's game. I'm sorry. Don't be. At least I've had this chance to be myself again, here at the very end. After all that's happened, it's enough. Do you remember when we first met all those centuries ago? Do you remember what you told me then? Keep your eyes front. I'll watch the rear. But I didn't.
I couldn't. Oh, but you did. More times than you know. As long as you were with me, Light, I didn't have to fear anything. I'm not scared. Not even now. Because you're here. Hope! So, Hope, you've gone and left me behind. Or was it the other way around? Was it me who left you? I'll save you. Kobo! Kobo Popo? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, alors on va regarder d'abord ça, pour commencer. 5 orbes d'argent. Quel cadeau de merde. Sérieux, des orbes d'argent, j'en ai je sais pas combien. Bah ouais, 97. Putain, mais n'importe quoi. C'est quoi ce faux cadeau, là? Bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors pour vous, ça va peut-être faire un épisode très très court. Parce que je vais couper beaucoup de choses finalement. Vu qu'il s'est passé, ouais, quasiment rien. Donc... Ouais, mais si je lui parle, je pense que ça va relancer. Et puis ouais, bon bah je vais m'arrêter là de toute façon. Donc je vous dis, ben, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut !